la souris la plus éclatée de chez moi. Je vais galérer avec, ça va être incroyable. Putain, on a déjà perdu. Regardez, si je mets des gros coups de souris, ça fait des bugs. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas très bien. J'ai réalisé la pire boisson, la thé, que n'importe qui aurait pu faire. Franchement, elle est horrible. C'est horrible, putain. Aujourd'hui les amis, on va jouer avec une souris, mais la souris la plus éclatée de chez moi. C'est celle-ci, c'est une souris que mon frère avait sur son PC portable. Autrement dit, en vrai, voilà, elle est claquée, elle est complètement claquée. Avant qu'elle casse, on va essayer de jouer avec à Minecraft. J'espère que vous aimez ce concept, si c'est le cas n'hésitez pas à liker. J'ai vu que la dernière vidéo vous a plu, dans laquelle j'ai testé un setup sur Funcraft. Justement, ça vous a bien plu, j'ai quelques petits concepts qui pourraient vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter pour référencer la vidéo, afin que je puisse m'acheter une cafetière. Je vais peut-être vous en faire un unboxing. Alors regardez la cafetière que je voudrais, enfin les cafetières que je voudrais idéalement. Si vous vous en branlez, bah c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner quand même, si c'est pas déjà fait. Cliquez sur le putain de bouton, s'abonner. On est passé aux 141 000 abonnés. C'est vrai qu'en ce moment je stagnais un petit peu, mais là franchement merci beaucoup, merci beaucoup. Bref, on va setup tout ça, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon compte Instagram et Twitter. Tout se trouve en description. Sur Instagram je mets pas mal de stories, et sur Twitter je retweet souvent, mais je tweet pas beaucoup, mais n'hésitez pas quand même à me suivre. Bon allez, c'est parti, on va setup tout ça, puis on va jouer à Minecraft avec la souris la plus claquée de chez moi. Ok, bien donc je l'ai branché et puis voilà, je l'ai setup. Donc dans tous les cas les gars, là on va jouer avec, mais j'ai un peu peur parce que le poids est vraiment nul à chier. Et puis ça bouge à l'intérieur et tout ça, en plus elle est dégueulasse. Mais wesh, c'est incroyable. Alors c'est celle qui fournit avec les PC portables de base, donc voilà, au moins vous savez. Mais là ce qui est le plus intéressant les gars, c'est de voir à quel point je vais galérer avec, ça va être incroyable. Alors pour ça les gars, je vais tout simplement record la souris et ma tête, et ça va être beaucoup mieux que juste un seul truc. Donc écoutez les gars, on va se retrouver sur Minecraft et puis c'est parti. Donc c'est parti, on va jouer tout simplement sur Funcraft en rush ou en... je sais pas en vrai, je sais pas du tout sur quoi on va jouer, mais c'est parti. Alors je bug toujours dans le spawn, je sais pas pourquoi, mais je bug toujours. Petit réglage son et puis c'est parti, on va partir directement en Icabrain et on va voir un petit peu ce que ça pourrait donner effectivement les amis avec cette souris qui est complètement horrible. On peut voir d'ailleurs que le fil n'est pas très résistant, hein. Enfin il est vraiment tout simple. Alors là ce qui va me perturber, c'est que je peux pas trop butterfly comme je le fais, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que c'est que cette molette là? Ah frérot, je sais que je suis nul, mais là pour le coup on va éviter les humiliations comme ça là. Ah! En vrai, je pense que le mec il est assez sympa. Il n'y a pas de chance que ça me rende complètement fou. Ah ouais, en fait, le DP il est complètement bugué. Hein. J'ai beau faire des. Enfin, si je fais des grands gestes, ça va être complètement horrible. Ah! Quoi? Regardez, si je mets des gros coups de souris, ça fait des bugs. Yes! Oh putain, je suis trop fier. Oh, c'est un putain de coup de chance. Oh, pourquoi il a pas marqué? Oh putain, non, 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 c'est trop frustrant. En fait, quand je joue à Minecraft, je transpire vite du front, c'est... Oh! Quoi? Les gars, il va câbler, hein. Vraiment, je mérite vraiment pas la win. Wesh. Oh là là, ah trop bien. Ok, donc c'est parti, on va faire un petit test sur un booster. Donc là, ça va être assez compliqué au vu de l'aim un peu catastrophique qu'on peut retrouver sur cette souris. C'est très compliqué, j'ai l'impression qu'il y a de la glace sur la souris. On n'arrive pas très bien à viser... C'est horrible, 24 c'est horrible. C'est complètement à chier, hein. C'est complètement à chier. Bon, on va faire un petit rush fast, c'est un peu plus plaisant de jouer en ce mode de jeu. Ok, donc ils sont déjà là, ils sont directement là. Ils ont l'air d'être assez organisés quand même. Oula, oula, ça va être compliqué cette histoire. Putain! Non mais les gars,
Bah, je suis obligé, hein, je suis vraiment obligé. Putain! On a déjà perdu! Les gars, c'est honteux, on a perdu en 2 minutes 30, c'est vraiment honteux. Donc pour la peine, je vais vous faire un petit clip PVP, je vais essayer de jouer convenablement et de réussir quelque chose de sympa. Putain! Mais c'est pas une vie ça! Non, non, on va mourir. Cette souris est définitivement horrible, on peut rien faire avec, vraiment. Mais le DPI est parfaitement honteux, hein, vraiment. Il est honteux ce sneak des sneaks, les gars. Mais je tape au bloc! Putain! Oh! On s'est fait marbrer en 2 minutes 30 encore une fois. Ah, je peux... Voilà. Allez, c'est bon, allez. Ah, d'accord, allez, allez, c'est la fête. Allez, 1v1. Bon, comme vous aurez vu, j'ai beaucoup perdu aujourd'hui. Et c'est normal, tout est dû à cette souris, les amis. Elle était pas franchement très efficace. Elle était plutôt à chier même. Voilà, c'était une petite vidéo défi, même pas crash test, hein. Je vais pas la casser. J'évite maintenant de casser les choses. À part vraiment quand, bah, là en fait, j'aurais pu, mais j'ai un peu la flemme. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me donner d'autres défis. Et si vous aimez bien cette vidéo, bah, je recommencerai avec des objets encore plus fous. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux tels que Twitter et Instagram. En tout cas, nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.